J'ai découvert la musique de Nino Rota à travers le premier film de Fellini que j'ai vu lorsque j'étais tout enfant. Et c'est donc le film La Strada. Et pour moi, ça a été vraiment un choc émotionnel. Et la musique, cette mélodie à la trompette aussi, qui m'a vraiment, je pourrais dire, accompagné toute ma vie. Pour moi, c'était une évidence, oui, de faire appel à des musiciens de jazz. J'ai dit, autant faire quelque chose, toujours avec le respect de la musique et du compositeur, mais de dériver vers le jazz et faire appel plutôt à des musiciens, justement, de jazz qui peuvent avoir du recul pour pouvoir, au moment donné, improviser, s'approprier la musique tout en la respectant. Il y a toujours l'âme de cette musique qui reste et je crois que c'est ce qui se passe dans ce disque de Nino Rota. C'est vrai que ce sont des projets très fragiles parce qu'on peut vite passer à côté. Par rapport au son aussi, il faut une simplicité de son, mais aussi quelque chose de très réel, pas sophistiqué. Voilà, il faut laisser parler la poésie. En général, chaque fois que j'ai rendu hommage à des musiciens que j'aime, que ce soit Piazzolla, que ce soit dans les disques Bach, j'aime bien avoir l'attitude comme si le compositeur était encore vivant. Et même chose pour Nino Rota. Ce qui m'intéresse, c'est que l'âme, que l'émotion reste, qu'on essaie qu'elle reste intacte. Moi, j'ai voulu terminer le disque comme ça, le point final, avec une musique que j'ai écrite, que j'appelais Nino, un hommage bien sûr à Rota, et aussi un hommage au Licio, donc au bal italien, pour finir sur un genre de Charleston et une note assez gaie, parce que même lorsqu'il y a de la gaieté, il y a toujours la tristesse qui guette là au coin, tout le long des films, des musiques écrites par Rota, et bien sûr ça transparaît dans ce disque. Well, this is very much Richard's vision. So I have to say I am a cog in the machine to realize Richard's view of Nino Rota's amazing music. When Richard asked me to play the music of Rota, I have had this photograph on my desk for many years of Giulietta Masina playing the trumpet. And so to have the opportunity to actually play it and record it this way was very special for me. I guess the session ran a gamut from very organized orchestral type playing to something that was completely spontaneous. And Richard was in the center of it, and I guess it was just a natural connection. For
me, it was one of the better recordings that I recorded with Richard, because I think the vision from the beginning to the end was very clear. And I think when you listen to the recording, you can hear the story from the beginning to the end. Bon voilà, je me suis retrouvé avec Nino Rota, Richard Galliano et ses musiciens extraordinaires. C'est des cadeaux, quoi. J'en veux pas plus. Et Nino Rota, Bach ou Piazzolla, c'est un peu comme si c'était des professeurs. J'ai appris en me mettant dans leur musique, en hein, immersion totale. J'en sors avec un enseignement, avec un recul par rapport à ma musique. Bien sûr, ce qui m'intéresse après, c'est de continuer à écrire une musique personnelle, mais elle est teintée de toutes ces influences-là.